Bonjour YouTube. Nous retournons sur Lake Bird Legacy et cette jeune femme qui est en train de regarder la baguette du boulanger avec les yeux pleins de désir. On va reprendre la partie là où on s'est arrêté l'autre jour. Alors je vous cacherai pas que je m'en souviens de rien du tout. Je sais juste qu'il y a des scas de sotopafie qui sont absolument énormes. Des relations extrêmement douteuses. Et que nous avons fait un recrutement qui n'était basé sur l'affect plus que sur l'efficacité, et que c'était une erreur. J'aurais dû être beaucoup plus pragmatique, voilà, j'aurais dû dégager les gens de ce village qui étaient juste là pour l'amour, et n'embaucher des gens qui sont que là pour bien faire leur taf. Je pense que nous allons reconstruire ce village, bonjour Arkmoth, autour de trois valeurs principales, le travail, la famille et la patrie. Et je pense que ça va filer doux ensuite. Je pense que c'est vraiment ça la solution. On n'a pas le son du jeu. Pourquoi on n'a pas le son du jeu ? Parce que j'ai oublié de changer la source son sur mon ordinateur. Jamais de la vie, j'aurais fait une erreur pareille. Ça serait vraiment une erreur de débutant. De commencer un stream sans changer la source son. Parce que sinon, le son du jeu aurait subitement apparu là. Et avouez que ce serait complètement ridicule. Bonjour Cassie Warner. Vous la reconnaissez, c'est Cassie Warner. La célèbre streameuse de Gundam. Et bonjour Gros Homme. Qui, je suis certain, en fait, est un pseudonyme... qu'on va qualifier d'ironique, vu que en fait, il n'y a qu'une seule chose gros chez lui, et c'est son cœur. Et aussi son. Donc, où nous étions-nous arrêtés ? Ah oui, c'était Paris. Hein. Paris, le dresseur de reins, qui avait des relations avec backup pas mal de monde dans le village, hein, de mémoire. Hein. Il en a vu passer plus souvent qu'à son tour. Puisque, donc, marié avec Boris... fou amoureux, mais attrait secret avec une relation de tromperie pour Grégory, mais amitié avec Héloïse, mais romance avec Mévanie, et heureusement que amitié avec Regina, qui a quand même 3 ou 4 ans, hein, parce qu'il faut pas déconner non plus. Donc oui, Paris c'était un problème. Hein. Paris c'est le blues. Ah, celle-là je pense que vous y attendiez pas. Hein. Celle-là, même moi, vous l'aviez pas vu venir. Une référence à Made in Paris sur un stream en 2023, c'est plus probable qu'il n'y pense. Donc, toujours est-il. Oh putain, Made in Paris, vous vous souvenez ? Réveillez-vous. Pardon, excusez-moi. Donc, on n'a pas de poisson, on n'a pas de viande et on en a besoin. Du coup, comment on fait pour avoir de la viande et du poisson ? Commençons par là. Construire une cabane de chasse pour la viande et la cabane du pêcheur. Elle peut pas être si loin que c'est la cabane du pêcheur, vous foutez de ma gueule. Est-ce que je peux déjà construire la cabane du pêcheur, mais je regarde au mauvais endroit. Chantier, église, marché, théâtre, caserne, hutte de barde. Vraiment, il y a des priorités, hein, je vous confirme. Cabane de chasse, taille de pierre, mine, cabane de pêche. Ah! Alors je pourrais déjà construire la cabane de pêche, il me faudrait 400 de bois, 35 de pierre et 30 de fer. Je pense juste les mêmes que j'ai pas les références de ta question. Fais comme moi dans ces cas-là, Cassie ment. Alors attends, on va relire la question de Cassis. Est-ce que tu enregistres les Gundam de classe 2 ou en classe 6 ? Cassis, elle enregistre les Gundam en classe 4 et en classe 8 parce que ce sont des Gundam européens. Là, en fait, tu fais des références à des Gundam japonais et à l'enregistrement japonais des Gundam. Sache qu'en Occident, la différenciation est légèrement... voilà. Est-ce que tu as vu Pacific Rim ? Parce que si tu as vu Pacific Rim, du coup, tu saurais effectivement que sur le côté occidental, le classement est légèrement différent. Alors, on a effectivement des classes 4 et des classes 8, mais on les classe plus en alpha, bêta et zeta, du coup. Mais je suis content de pouvoir répondre à ta question, en tout cas. C'est ça. Elle monte à Gundam français qui s'appelle Gypsy Baguette. C'est Gypsy Baguette et Coward Camembert. C'est les deux Gundam français. Bonjour Fiji Guinan. Trop bien de te voir sur Lakeburg. En même temps, j'ai beaucoup aimé ce jeu. C'est sûr, ce sont ou des imous ou des chargés. Ah, c'est moi qui suis très chargé après la soirée d'hier. Voilà. Ça, c'est de l'humour un peu pour vous qui aimez un peu l'humour beauf. Hein. Vous savez, c'est important. Ce qui paraît que mon humour est trop clivant, que je suis trop dans le cringe. Du coup, bientôt, je vais
faire des petits, un peu d'humour bigard. Vous savez, il y aura un petit moment comme ça aussi. Il faut dire, non, c'est pas une remarque qui est désobligeante. Hein. Je comprends que je fasse de l'humour cringe. C'est juste qu'il faut que je me diversifie, quoi. Je peux pas juste couvrir le public cringe. Il faut que je couvre tous les publics possibles. Sinon, comment voulez-vous que je développe mon audience, qui est la seule chose importante sur Twitch? Maintenant, deux secondes, regardez pas la caméra, je vais m'attirer de la map en deux minutes. Troquer 28 de cuir pour 112 balles, mais on va dire oui. Oui, on va dire oui, du coup. Voilà, c'est... file-moi le thune. Par contre, non, je vais garder mes 338 cœurs et mes gros colis. Je ne vais pas m'attirer de la main à l'antenne, au risque de vous décevoir. Parce que je veux bien que tu veuilles de la viande et que tu veuilles du poisson, mais le poisson, on en est encore loin, en fait. Bonjour Final 59. Il y a un Gundam français en mode Napoléon fleuré et rose. Final 59, est-ce que tu aurais la gentillesse de nous donner sa référence, et etc., etc. Parce que je pense que il y a des personnes que ça peut intéresser ici. Accessoirement, y a-t-il un moyen de trouver un modèle du Gundam français? 45 de blé, 300 de bois. Oui, mais c'est que le bois qui nous manque, en fait, à chaque fois. C'est pas la bonne touche du tout. Du coup, comment on fait pour avoir plus de bois? On dépense... D'accord, you get to dépense bois to make bois. Très bien. You get to make money to spend money. Espérance de vie? Comment ça? Ah, mais ils vont tous crever! Je vais améliorer vos conditions de travail, et j'entends, mais le problème c'est que j'en ai un peu rien à foutre. Non, c'est faux, je vais améliorer vos conditions de travail, les bûcherons. Et on va essayer de se trouver peut-être un couple de bûcherons. J'aime cette idée. Prochain recrutement dans 6 mois. Ah! Ça va être long, du coup. C'est long, 6 mois dans une vie. Comment ça, dans 6 mois, vous avez pété les plombs? Mais j'ai pas le temps, mon esprit vit ailleurs, je fais des plans pour m'en sortir. Y a quelqu'un qui cherche l'amour encore? Non. Ah. Est-ce qu'il va falloir qu'on construise une maison de plus? Parce qu'à la limite, on va déjà s'atteler à ce problème-là. Je vais arrêter d'appuyer sur Escape, je vous promets que c'est vrai. Et on va attendre du coup que ben y a des gens qui pop et on va se faire un... Ah putain, c'est vrai que j'avais oublié ça. Paris qui retient la vermine à lui tout seul. Le Gundam Rose. Ah oui, le Gundam Rose, le ouais, la comédie musicale de M là. Ouais, je avec la chanson de Cabrel là. Ouais. Je garde un œil ouvert du lundi au dimanche. Ouais, je connais. Ouais, j'ai beaucoup aimé, je trouvais. Ouais. T'es allé voir avec Sinel. On avait passé un très bon moment. Ah, tu vois, Sinel s'en souvient. Sinel qui m'a traîné par la manche. Viens, on va aller le voir. Mais on va aller le voir. Non, ça m'intéresse pas. Non, si, c'est bien voir, ça va être génial. Problème Final 59, c'est que je sais pas si tu rigoles ou pas. C'est que il y a quelque chose dans ton, il y a quelque chose dans ta voix qui me fait penser que tu es sérieux et ça m'inquiète. Mais oui, tu m'as dit que c'était ton chanteur préféré. Voilà, tu vois, c'est exactement ce qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est que tu étais sérieux. Boucher, boulanger, goûteur, hein, putain, mais vous faites yesh. D'un côté, un boulanger, on va en avoir besoin d'un, de toute façon. Je peux proposer un nouveau candidat. Bon, ça, on n'en a pas besoin. Oh, putain, mais on claque du pognon, on va en avoir besoin de la thune. Garde à Saint-Saint-Chevalière, non. Encore une boulangère, fuck. Et non, arrêtez avec « Montrez-moi vos miches, madame » sur le chat, ça fait rire personne, vous savez. Est-ce que la boulangerie, on va en avoir besoin? Bonjour, Fiercro. Mais un rejoint le village, mais t'as intérêt à... Voilà, je vais te faire chier jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un. Jusqu'à ce que tu trouves un bûcheron, toi. Hein.
Alors. Couple. Godefroy. Trouver l'âme sœur. Aux alentours. Non. Tu es éliminé. Tu es éliminé. Oui. Vous avez rien en commun. Je m'appelle René, mais tu peux m'appeler en cas de pépin. Bonjour Optimus D Prime. Vous... Il y a des gens qui ont ce qu'on va appeler du le pseudo-game est réel. Optimus D Prime, sache que tu... Voilà. Sache que je te bénis en tant que pape. Alors, vous savez quoi ? On va faire un truc. Je vais faire un couple de merde, juste pour voir si ça va avoir des conséquences drôles. Alors, elle aime les duels, l'or et l'argent et la charpente. La charpente, du coup, c'est la danse, hein, vous m'aviez dit un truc comme ça. Elle n'aime pas la gigue, la divination et la poésie. Non, la charpente, du coup, c'est autre chose. J'ai déjà oublié, vous m'avez dit ce que c'était la charpente. Hein. C'est la mode, c'est ça, du coup ? Bref, duel or et argent charpente, M. Duel or et argent charpente, M. N'aime pas la gigue, la divination et la poésie. C'est pas les biscottos. Ah ! Ce serait un peu bizarre, non, avec cette image-là, mais ça serait possible, I guess. Bon. M. Les duels, l'or et l'argent et la charpente, n'aime pas la gigue, la divination et la poésie. Comment j'ai foiré ça ? Ah oui, je foire tout en fait, d'accord. J'ai tout foiré. J'ai perdu tout le game. Bon, ben, en plus, ils vont vraiment avoir une relation molle. Amouromètre de base, affinité banale, ça va vraiment être le couple de cons. Très bien. Bonjour 13 Noise. Mais c'est pas grave, on a une nouvelle bûcheronne. René. Qui va bûcheronner comme une sagouine. Toujours pas la bonne touche. C'est ici le hachis parmentier de streaming français, bien sûr. Je t'en prie, on était en train de faire de la purée de pommes de terre. Et rebonjour 13 Noise, d'ailleurs. Je vais désormais te saluer toutes les 4 minutes. Grégory et Paris se sont vus et partagent désormais la relation... Sans déconner, quoi. Vous êtes vraiment deux sacs à merde. C'est terrible. Vraiment, ça, c'est terrible. Je suis pas là pour juger, mais... Mais quand même, quoi. Respectez-vous, c'est tout ce que je vous demande. Bon. On est en pause ou pas ? J'ai du mal. Non, on n'est pas en pause. Ok. Du coup, la boulangerie, ça nous demanderait quoi ? Je vais arrêter d'appuyer sur Escape, bordel. Il faut que j'arrête d'appuyer sur cette touche. Hey baby, let me buy you a pain au chocolat. La boulangerie, c'est 300 de bois, c'est vrai. On a le blé, mais on n'a pas le bois. Ce qui est légèrement ironique. On n'a pas de fer non plus. Optimus déprime, vraiment. Hein, tu... Installe-toi. Je t'en conjure, installe-toi. Pouette. Alors, Cassie, je trouve que c'est ultra violent comme propos, quand même, sur un stream. On a un stream familial, mais je vais me battre pour ton droit d'exprimer ce propos. On est ouvert, voilà. Cassie, je te demande s'il te plaît. Oui, merci Cléo, hein, merci d'avoir censuré parce que voilà. Faut rester correct, on est d'accord, Morgane. Voilà, tu vois, il y a des gens qui sont obligés de sortir du leur que pour exprimer leur le fait qu'ils sont choqués. Je vais me battre pour ton droit d'exprimer ton opinion, Cassie. Je vais juste te demander effectivement de... Oui, j'entends, Néron. J'entends. Oui, non, mais vous avez raison. Vous avez tous raison. Je comprends, DV. Je comprends totalement que tu aies un phallocérator par rapport à ça. Je ferai la même chose à ta place. D'ailleurs, je vais faire la même chose à ta place. Je suis extrêmement choqué. Néanmoins, voilà. Néanmoins, c'est la maison du bonheur. Toutes les opinions ont le droit de s'exprimer, même les plus extrêmes. Voilà, je te remercie pour les 20 mois de Platinum, désormais. Merci pour l'argent, même si j'aurais souhaité effectivement que tu mettes un message un peu moins polémique et politique dans ton propos. C'est... Oui, donc oui, je n'arrive pas à satisfaire les besoins en viande, j'ai bien entendu.
Ah, et on n'arrive pas à satisfaire les besoins en chaussettes non plus. Améliorer l'efficacité ou acheter un nouvel emplacement de production et y placer un nouveau travailleur. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de couturier. Et que améliorer les conditions de travail, ça demanderait un pognon qu'on n'a absolument pas. Donc on va améliorer les conditions de travail à un moment. Virgule. C'est, voilà. Je peux déjà me limiter à dire qu'à un moment, on va le faire. Ah, ça par contre, c'est une œuvre de troc qui me branche, parce que du coup, effectivement, ça devrait peut-être suffire. Absolument pas, j'ai pris mes rêves pour des réalités. Très bien. Je suis aussi choqué quand on m'a fait un sub chez Zerator alors que j'ai jamais regardé un de ses streams, ni follow sa chaîne. C'est faux, Fircro, tu passes 285 heures par semaine à jouer à Trackmania pour t'entraîner pour la prochaine cup, te fous pas de ma gueule, vraiment. Hein, Strap hostile. Eima, tu es allé défoncer un gamin de 1 an. Mais expliquez-moi calmement pourquoi Eima est allé chercher un fight avec un gamin d'un an. Fuck them kids! Pas comme un youtubeur. Et ma belle Grégory décide de l'emmener un récital de Palestrion. Le ministre joue et chante avec humour les affres du dépit amoureux. À la fin de la représentation, Grégory, très enthousiaste, demande à Babel si elle a aimé. Oui. Pour sa décharge, le bébé était un peu un gros connard. Les centres d'intérêt d'Amabel. Amabel. Amabel aime la poésie. Donc on va dire qu'elle a dû trouver ça génial, puisqu'elle aime la poésie. Ah, bah non, c'était de nouveau un plan cul. D'accord. Est-ce que personne aime les enfants? Ah, tu aurais dû être là au début du stream, Fujigiden. Apparemment, beaucoup de gens aiment les enfants. Mais uniquement, voilà, pour des intérêts économiques, visiblement. On peut construire la boulangerie. Toujours, hein. Toujours, hey baby, let me buy you a pain au chocolat. Ok. Bon, maintenant que ce problème est réglé... couturier, il nous manque 9 balles. Bah, on va attendre que les 9 balles rentrent et on va améliorer la production de la couturerie. Et tel Fox Mulder à la grande époque, nous allons chercher la vérité du tailleur. Bonjour FaceNumber. C'est pas tous les jours le Noël de la vanne. Hein. Je me tue à vous l'expliquer à chaque fois, mais visiblement vous avez encore du mal à le comprendre. Hein, voilà, parfois c'est selon un rivage. Elles réussiront pas toutes. Hein. Donc... Il y a des gens qui veulent du pain? Oui, on a besoin de un pain, d'accord. Cette ressource peut être consommée par le bâtiment de Nidvermine. Il y a largement assez de ressources pour répondre aux besoins de tous les villageois. Il y aura assez de ressources pour répondre aux besoins, mais il faut puiser dans les stocks. Pas assez de ressources, d'accord. Ce serait quoi le prochain truc à construire maintenant du coup? Le forge? La cabane de pêche ou la forge? Mais dans les deux cas, il va nous falloir du fer. On a du fer? Ou alors il faut que je construise? C'est quoi le truc tout en haut, là, au fait? Le chantier? C'est quoi ce chantier? Pour le chantier, il faut 10 outils. Comment je fabrique les outils? Ah, c'est le bordel. Le pot complet. Ressources manquantes. Enfin, il avait remarqué, oui, t'inquiète pas. Parce que les outils, ils sont là, mais je peux pas... Qu'est-ce qui se passe encore? Grégory et Margot? Il n'a jamais vu Margot que de dos. Margot. Ah oui, mais du coup, c'est... Alors, d'un côté, on a Emma qui va aller tabasser des gosses, et du côté, on a Margot qui va aller coucher... Ok, d'accord, très bien. Après un mariage qui a semblé durer une éternité, Godefroy et René ont décidé de se séparer pour construire de nouveaux chemins seuls. Oh ben tiens. Oh ben vraiment, qui l'eût cru? On l'a pas vu venir du tout, hein. Bon, allez, René. On va te laisser gérer ta nouvelle vie, du coup, hein, voilà. Ce qui est bien. Ah, bah pour eux, ça a dû sembler une éternité, oui, crois-moi. Ce qui est bien, du coup, c'est qu'il est temps d'aller chercher un nouveau tailleur. Alors, Godefroy. Godefroy, on va y arriver du deuxième coup. J'y crois à mort. C'est non. C'est non.
On va essayer de chercher quelqu'un avec qui ça colle un minimum. Hein. Il a déjà été la première victime de mes expériences, voilà. Non, par contre, quelqu'un qui fait pas des métiers artistiques inutiles. Attention, je dis pas que les. Attends, non, pardon, excusez-moi, non. Non, vraiment. Est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un avec qui ça colle et qui fait un vrai métier? Bouchère, menuiserie, boulangère, c'est pas mal. Hein. Mais honorable, non. Tant qu'à faire, voilà. Tailleuse de pierre. Mais c'est pas ce qu'elle veut faire. Elle veut faire voleuse et. Et en plus, elle est maniaco-dépressive, donc non. Fantastique. Marchande prêtresse croupière. Allez, tu fais chier! Alors oui, je porte à droite, mais ça n'a aucun rapport. C'est pas ce que tu voulais dire. Ça n'est pas ce que tu voulais dire. Nous ne sommes pas des chaussettes, mais nous formons une belle paire. Ça marche vraiment, ce genre de truc? Juste pour être sûr. Ce que je comprends pas, c'est que tu as dit que tu es paysanne, donc tu devrais bien aimer bosser aussi en fermière, menuiserie, toutes ces conneries, non, toi? Actrice cueilleuse, goûteuse marchande. En fait, t'as l'air plutôt bien en tout, toi. Je sais pas si tu vas être vraiment utile dans le village, mais on va essayer, tu sais quoi. Donc, aime les potins, les duels, la guigue, n'aime pas la peinture, les friandises, la méditation. Aime potin, duel, guigue. Aime potin, duel, guigue, n'aime pas peinture, friandise, méditation. Aime potin, duel, guigue, n'aime pas peinture, friandise, méditation. Go. Donc. Elle aime la guigue, donc ça plutôt. Elle n'aime pas la méditation. On va dire ça plutôt. Ok. C'est imperfect. Ah, je sais pas trop où on va être casé dans le village, mais on va trouver. Ok. Alors, du coup, on va être casé dans le village. Est-ce qu'il y aurait un moyen de... Ah, mais j'avais complètement oublié cette notion de mentorat, en fait. J'aurais dû regarder ça depuis longtemps. On aurait besoin de chez qui? En couturerie. Est-ce que toi, tu pourrais... Non, parce que c'était en... On était en train de regarder et je me suis planté. Tu serais doué dans quoi, toi, du coup? Alors, pas aux coutures. Est-ce que tu serais doué en taille de pierre? Pas du tout. En bûcheronnage? Pas du tout. J'ai chopé un nouveau boulet. Tu ne serais pas doué à la ferme? Tu ne serais pas doué à la boulangerie? Pas doué à la mine? Super doué dans le nid de vermine. Et ça serait même limite ton objectif de carrière. Eh ben écoute. Attendez, parce qu'il me disait quoi que... Ok, Régina, c'était son truc, elle avait envie de bouger à la boulangerie. Je fais un peu le tour. Alors du coup, donc pas en mentorat. Paris serait super super doué, en fait, d'accord. Ben écoute, plus de bois, on en aura toujours besoin. Même si c'est pas ton aspiration, ça a l'air d'être ton grand truc, donc écoute, hein, let's go les potos. Bien. Ceci progressant. Je me suis jamais senti aussi proche d'un PNJ dans un jeu. Oui, je comprends. Ça manque de gens qui aiment les exécutions publiques, disons. Ah non, genre, on en a plein, tu déconnes. Ça doit être la passion numéro un du village des exécutions publiques.
Et on le comprend, hein, c'est pas un jugement. Mais néanmoins, comment je fais ces putains d'outils ? Mais j'allais le faire, il nous manque juste du bois. Bon, bah, on va attendre qu'on ait 400 de bois pour faire la cabane de pêche, alors. René, j'espère que tu aimes le poisson. Parce qu'il faut encore recruter un pêcheur. Ouais, mais les pêcheuses niveau 4, hein. Je comprends que ce soit pas l'amour de ta vie, mais... Mais les pêcheuses niveau 3,5, bon allez hop. Beau de nuit, hein. C'est un vrai métier ça. Moi aussi je suis beau de nuit. Si tu éteins toutes les lumières et que... Je suis plutôt baisable en fait. De quoi on parlait ? Oui, pardon. Ta crinière de cheveux est aussi belle que celle d'un poney, on ne l'a jamais dit à toi. Bah. Bon, on m'a déjà fait une remarque sur l'odeur, mais... Enfin, donc... Ouh. Ah, bordel ! Oh, tu sais quoi ? Merde ! Elle est pêcheuse niveau 4,5, c'est sa vocation. Alors... Aime la mode, la pêche, la poésie, n'aime pas les potins, les duels, les câlins. Aime la mode, la pêche, la poésie, n'aime pas les potins, les duels, les câlins. C'est parti pour le futur divorce de l'année. Aime la mode, la pêche, la poésie, n'aime pas les potins, les duels, les câlins. Alors. Aime la mode, la pêche, la poésie, n'aime pas les potins, les duels, les câlins. Donc je suis baisé quoi qu'il arrive. Non, parce qu'elle aime pas les potins. Ok. Tout va bien. Parcoursup par Elton, c'est mieux que le vrai. Ah ben, je fais de mon mieux. Hein. Allez. Vous avez tellement de points communs. Ça durera bien 2 minutes 30 avant que cette relation tombe en miettes. Par contre, il nous faut 400 de bois et on en a 95, c'est un problème. Est-ce que nous pouvons faire du troc afin de récupérer du pognon ? Pas du tout, parce qu'il nous faut des chaussettes et on n'en a pas des masses. Très bien. Est-ce que quelqu'un peut assumer un taf de couturier temporairement le temps 2 ? Écoute, Jacinthe, je sais que c'est pas ton objectif de carrière, mais en attendant que le poste de pêche se libère, tu vas faire simple. Je vais économiser la thunasse un petit peu. J'avais besoin de la thunasse pour quelque chose, mais je me rappelle plus pourquoi. Il y a 2 secondes, j'ai dit qu'on avait besoin de la thune. On a besoin de la thune pour ça ? Non. Oh. Je sais pas, économisons la thune. Regina et Godefroy sont désormais maître et sous-fifre. Bonjour. Bonjour Kanache, merci pour les 20 mois de Platinium Relation. Écoute Morgane, ok. Je ne pensais pas que c'est aujourd'hui qu'on allait avoir cette discussion, mais visiblement si. Ok, alors, quand deux êtres humains s'aiment vraiment très 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 fort, et qu'il y en a un qui aime bien avoir un collier et être mis en cage, et que l'autre aime bien s'habiller dans des combinaisons de cuir ou de latex, et manier le fouet, la badine et divers autres instruments, et que l'un est quelqu'un qui tire énormément de plaisir dans la soumission, ou par exemple est un chef d'entreprise qui est extrêmement surmené, et donc qui a l'habitude d'avoir un peu toutes les responsabilités et d'avoir toutes les choses à gérer, et qui a besoin en fait, par moment, d'abandonner complètement le contrôle à une autre personne, parce que c'est le seul moyen qui lui laisse, et bien à ce moment-là, en fait, il se peut du coup que l'une des deux personnes parle allemand, et écrase régulièrement ses cigarettes, ses talons ou d'autres choses dans le corps de l'autre personne, la fouette, lui demande de l'appeler maîtresse, etc. etc. Voilà, je pense... Oui, Morgane, qu'est-ce que quoi ? Ah, pardon, ok. Ça y est, j'ai compris, Morgane. Pardon, Ok, j'essaye de faire que ce stream est éducationnel, d'accord ? Ok. Ok, pardon. De
De quoi on parlait déjà? Ah oui, il fallait pas du pognon pour le couturier, c'était pas ça l'idée? Je peux peut-être améliorer un peu les conditions de travail. Quand même. Non, gardons ce pognon de côté, on en aura besoin pour des choses beaucoup plus urgentes à moyen terme. Chaque année, moins de... Ah, c'est la merde. C'est la merde, mais peut-être qu'elle va devenir meilleure couturière au fur et à mesure, non? Non, hein. Non, va falloir qu'on trouve une meilleure couturière tout court, très bien. Ça manque d'illustration, c'est court. Eh bien, écoute, attends la fin du stream, écoute. Vous verrez là où je vous envoie en raid. Vous allez apprendre beaucoup. C'est faux. Bonjour, Jod Dude. Et bonjour, Jack Play, du coup. Bienvenue, installez-vous. Voilà. Et demain, nous verrons le tribadisme. Donc... Pas tout ça, mais on se fait chier. On les a bientôt, les 400 de bois. Oui, ça arrive. Nous pouvons d'ailleurs le faire tout de suite. Je construis la cabane du pêcheur. Construction. Et du coup, vas-y. Qui sont les adultes qui ne sont pas en recherche d'emploi? C'est Jacinthe, naturellement. Dont c'est la vocation. Donc, bah oui, toi, tu vas aller nous pêcher du poids-poids. Et on va d'ailleurs améliorer tout de suite ton rendement. Parce que ce ne sera pas perdu. Par contre, il va nous falloir rapidement. Bonjour Xavec, bienvenue. Il va nous falloir rapidement une nouvelle couturière. Y en aurait-il une qui serait en attente? Oui, parfait. Ursida couturière 4,5. Non, parce qu'il nous faut 98 balles et que j'ai plus une thune. Fuck! Est-ce qu'on a un moyen de se faire du pognon rapidement? Troc. Oui! Quel ascenseur émotionnel. Est-ce que j'ai moyen de lui faire une maison? Oui. Hop. Je vais arrêter d'appuyer sur Escape, c'est une certitude. Et résultat, normalement, par leur force concentrée. Oui, nous revenons dans le positif au niveau des fringues. Magnifique. Everything's coming up, Milhouse. Nous avons du pain. Juste ce qu'il faut, mais nous avons du pain. Ah. Depuis quelques jours, le temps n'est guère engageant. Il pleut sur Lakeburg, pas beaucoup. Souvent juste ce qu'il faut pour dire qu'il pleut. Mais il pleuvine, il bruine à petites gouttes froides et vaporeuses. Quand ça s'arrête, le ciel reste gris. Certaines journées, on dirait qu'il fait nuit ou même qu'il le pleut alors qu'il ne pleut pas. Autant dire que le moral est en berne comme Stéphane. Moins 10 de morale sur tous les villageois. J'aime bien ce moins 10 de morale sur un groupe de villageois. Ah, il contient qui le groupe? Tous. Ah, ok, d'accord. Très bien. Du coup, ça se tartine la gueule, de nouveau. Hein. Tu es hostile envers Geralt qui a 6 ans. Donc voilà, une meuf de 33 ans est en train de tabasser un gamin de 6 piges. Tout va bien. Vraiment, ce village, c'est équilibré de ce côté-là. Hein. Les choses se passent bien. Alors, je sais qu'il y a un célibataire en quête d'amour, mais pour l'instant, je ne sais pas quels sont nos plus grands besoins. Je pense qu'il va nous falloir un boulanger. Ou sinon, on va être dans le pétrin. Donc, on va trouver le boulanger de ta vie. Oui, vous avez peut-être une remarque. Non, oui, Cassie, oui, 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 oui. Encore, ça mérite plus. Ça mérite plus. Attendez, non, deux secondes, ça me va pas. Ça va pas parce qu'il a été mis sur la mauvaise sourçon, faut qu'on corrige ça. Va falloir qu'on s'en mette un peu dans la gueule. Il le faut au bout d'un moment. À un moment, il y a des événements qui méritent d'être fêtés, vous savez. D'ailleurs, ça s'est jamais refoutu sur la bonne sourçon, ce truc-là, mais c'est pas grave.
passer. Ah oui, parce que tu ne trouves plus la bonne source son, c'est un plaisir. J'arrive. Tu vas me le mettre. Un jour, il faudrait que je comprenne ce qui se passe avec ce truc. Ici, par exemple, si je fais ça et ça, ça devrait marcher. Voilà. Ça parle de quelque chose d'extraordinaire. Ça parle de quelque chose de beau, quelque chose qu'on ne verra pas à l'antenne. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est déjà un peu le plus beau jour de même. C'est une victoire pour la France. C'est une victoire pour l'humanité en tant que civilisation. Ta gueule, Freddy. Donc, félicitations, Cassie. Même si je prends un peu ça comme une victoire collective, je vais pas te mentir, mais félicitations. Non, vraiment, pour moi, c'est une journée qui a très bien commencé et qui continue très bien. Si elle continue comme ça, d'ici ce soir, Macron annonce sa démission, une quinzaine de groupes vont annoncer faire des concerts à Strasbourg, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes aujourd'hui. Les nouvelles sont très bonnes. Je passe une très bonne journée. Tout va très bien aujourd'hui. Je sais même plus ce qu'on cherche. Un boulanger. C'est non. Je veux quelqu'un dont ce soit vraiment le... Parce que limite, je m'en fous que vous soyez pas heureux en couple. Au moins, ça fera des nouveaux couples à faire ensuite. Cherche-moi un boulanger. Boucher, bâtisseur, taverne. Non, croupière. Non, couturier. Non, boucherie. Non. Dresseur de roi. Non. Dossin, croupière. Toujours pas. Pêcheur niveau 3, ça pourrait t'intéresser. Mais non, je veux un putain de... Boulanger. Dresseur de rein, non. Actrice, non. Danseur, toujours pas. Goûteur, non. Putain, mais c'est quoi ce délire? Bûcheronne, non, on se rapproche. Boulanger. Boulanger niveau 3, et c'est même pas ton le rêve de ta vie. Hein. Cassie, je te félicite de tes futurs succès. Tu seras bientôt la comptable la plus sexy de France, et ça n'en doute pas une seule seconde. Non, mais si c'est même pas le rêve de ta vie, alors que toi, tu n'aimes pas les câlins et que toi, t'aimes les câlins, non, ça va pas bien se finir, cette histoire. On y retourne. Ah merde, il était boulanger, lui. Fuck. Il nous reste que 120 cœurs, je suis dans la merde. Boulanger niveau 3, mais vous avez aucun point commun. Boulanger niveau 4,5, niveau 3,5, mais vous n'avez vraiment aucun point commun. C'est parti. Il y a un moment, il reste plus que 42 cœurs, j'ai pas le choix. Hildebert et Ursilda, vous allez faire un super couple. Aime les câlins, la campagne et la bonbonne, donc la bouffe. N'aime pas la mode, la peinture, la divination. Aime les câlins, la campagne, Aime les câlins, la campagne, la bouffe. N'aime pas la mode, la peinture, la divination. Aime les câlins, la campagne, la bouffe. N'aime pas la mode, la peinture, la divination. Let's go. J'ai déjà tout oublié. Je crois qu'elle aime la campagne, donc on va exprimer ça. Nickel. Voilà. C'est un couple de merde, mais ils ont plein de points communs. Donc écoutez, c'est toujours ça de prix. Amusez-vous bien. Et puis du coup, bah, maintenant que tu y es, hein, bienvenue dans le village. Va faire du pain. Donc, va nous falloir une cabane de chiasse, à très court terme. Du château. Merci beaucoup, Hydra. Bienvenue dans la maison du bonheur, j'espère que tu vas bien. Ah, mais c'est vous qui faites le faire. Enfin, par vous, je veux dire toi, Emma. Emma, télé est allumée, Emma, t'es là, et dire que pour toi, j'allais gâcher ma santé. Emma, t'es froide comme le carrelage de mes WC. Emma, t'es vraiment mille fois plus belle que Tara. Emma, comment fais-tu pour être aussi sûre que toi? Tes coups de pied m'ont quelque peu émasculé.
Emma, je t'en prie, envoie ma virilité. Emma, t'es vraiment 100 fois plus belle que Tara. Donc, partons de la base qu'il nous faudrait peut-être la forge. Que la forge, c'est bien parce que ça nous permettrait d'avoir les putains d'outils qui nous manquent pour le reste, en fait. Ça nous permettrait d'avoir les armes et les outils qui nous manquent pour le château et le chantier. Donc la forge, c'est clairement l'étape suivante. Ce qui me fait dire que, et vous allez voir que là c'est vraiment le moment où psychiquement je vais être dans quelque chose d'exceptionnel, il va peut-être nous falloir un forgeron. Qu'est-ce qui se passe, Guilia ? Ah, Guilia, tu es en âge de travailler, c'est vrai que 7 ans, on va peut-être pas te... On va peut-être pas te... Enfin voilà, tu vas pas rester à la maison jusqu'à tes 8 ans et demi non plus. Ah, Guilia, ton truc, ce serait de faire des tailleurs de pierre ? Eh ben écoute... Donne le très stressé. Mais vous êtes chiant. Tu sais quoi, Guilia? Alors, est-ce que tu es en conflit avec une des deux? Juste que je sache. Non, tu es en conflit avec Geralt. Je n'ai un peu rien à foutre de tes relations avec Geralt. Je vais te mettre. Alors, c'est laquelle la plus jeune des deux? Attendez. Du coup, il faut que ça... 34 ans. Et tu es maniaco-dépressive. D'accord. Vous êtes toutes les deux 34... Vous êtes toutes les deux maniaco-dépressives. Très bien. Ben, tu vas aller là, toi. Geralt, c'est quoi ton aspiration dans la vie? C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton but? Qu'est-ce que tu espères vouloir faire? Paysan. Donc, par exemple, si je dis on va à la ferme, on cherche un apprenti, pas du tout. On l'a pas compris. Ah non, potentiel chasseur guérisseur. Guérisseur ? Je. Vraiment, Geralt guérisseur, t'es sérieux ? Qu'est-ce que tu veux que je te foute en guérisseur, Geralt ? Pas le couteau le plus affûté du tiroir. Et une santé fragile. Mais Geralt, tu es une erreur de casting. Pardon, excuse-moi. Tu as un potentiel en tant que boulanger. Ben écoute, pour l'instant, on va t'envoyer à la boulangerie. Écoute, voilà. Pour l'instant, on va te faire ça. Puis c'est un début. Très bien. Alors... C'est quoi notre projet de vie, là, pour l'instant? On a dit la forge. Pour la forge, il nous faut 35 de pierre. L'atelier de taillage de pierre. Est-ce que vous êtes en train de vous tailler la pierre ou vous êtes en train de vous tailler le goumi, là? Vous faites quoi? Faut vous dire de vous bouger le fion. Hein, je peux faire ça pour zapper entre les différentes boutiques? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment un boulot qui est pas fait pour lui du tout? Toi, t'es pas vraiment... la cabane de chasse, c'est pas vraiment ton truc, en fait. Attends. Du coup, attends, on va repartir en production. Si je te dégage de ça, si je dis ce taf n'est pas fait pour toi... Mais toi, ton but dans la vie, c'est d'être boulangère, mais qu'est-ce que tu branles là? Comment je te vire? Ici. Quittez ce poste. 2 secondes. Qui est-ce qu'on a comme boulanger le moins doué de la bande? Alors toi, mais toi, c'est ton rêve. Et toi, t'es doué en boulangerie, mais c'est pas ton rêve. Alors, c'est quoi ton rêve, toi? Chevalier, boucher, garde. Ce qui me fait dire que toi, on aura un poste pour toi à moyen terme, mais pas pour l'instant. Mais toi, ça n'est pas ton rêve de vie. Donc, alors attends, tu produis 5. Alors que toi, tu produis 5 aussi, mais c'est ton rêve de vie. Donc, c'est mieux. Hildebert, tu as quoi comme potentiel? Alors attends, on va faire le tour des boutiques, on va trouver un endroit au casé, toi. Tu as un rêve de vie qui serait ici. À la taille de pierre, en fait. Même si pour l'instant, t'es pas super doué, mais c'est ce que tu voudrais faire. C'est-à-dire que elle fait 4 de pierre, 4 de taille de pierre. Mais bon, c'est pas exactement ton objectif de vie, en fait. Hein.
Et si je te dégage et que je te remplace par lui, tu fais que deux, mais c'est ce que tu veux faire dans la vie. Alors du coup, j'hésite. Mais je me dis que tu vas apprendre plus vite à ce poste-là et ça va plus être ton kiff, en fait. Je vais vous caser au truc que vous avez envie de faire dans la vie. Bon, Ise, du coup, on va te caser où ? Ici. Toi, ton objectif... D'accord, ok. Nous allons faire une série de modifications. D'accord, Inanna, elle veut pas foutre grand-chose dans la vie, pour être franc, hein, par bosser éventuellement à la ferme, y a rien qui la branche, elle. Éventuellement, on peut trouver des trucs deux étoiles, mais y a bien quelqu'un qui doit chercher quelqu'un quelque part, non ? Avec ce que j'ai fait. Oui, bon, pour l'instant, tu vas aller faire un peu de taillage, en attendant qu'on trouve un meilleur poste. Est-ce que je l'ai remise exactement à l'endroit où je l'ai enlevé tout à l'heure ? C'est pas impossible. Je peux vous mentir, c'est une possibilité qui est réelle. Bon, il y en a qui sont déjà un peu plus de leur affinité, c'est déjà mieux. Moi, j'y crois à mort. Très bien. Ceci étant fait, hein, maintenant qu'on a fait un petit peu de réorganisation du village, que les gens se trouvent, situent un peu plus, voilà, à leur place, dans ce qu'ils ont envie de faire, que veux-tu que j'y fasse, qu'aurais-tu fait à ma place ? Vous connaissez hein, la fameuse chanson de M et Ariane Moffat. Répondez pas, surtout répondez pas, hein, sinon je gagne. Je vous rappelle que c'est, je gagne si vous répondez. Donc, soyez raisonnable, arrêtez d'être con. Est-ce qu'à 1000 de prestige, on gagne quelque chose ? Ça permet de débloquer des illustrations bonus en fin de partie. Ah, d'accord. C'est ça, tu vas être guérisseur, va faire du pain. C'est quoi ça au fait ? Ah, c'est la santé globale du village. Faudrait peut-être qu'on se trouve... C'est bientôt le truc de guérisseur, en fait, ou dispensaire ? C'est bientôt. Enfin, pas vraiment, parce qu'il faut d'abord faire le chantier. Donc d'abord la forge, puis le chantier, puis le dispensaire. J'y crois à mort. Il nous faut 400 de bois, il nous faut 35 de pierre. Ça se bouge le fion niveau pierre, là, où vous avez besoin d'aide, en fait ? Je veux pas vous foutre la pression, mais on est un peu dans une situation limite nervous breakdown, là, sur le sujet. Donc si vous pouviez éventuellement vous remuer le goût... Ah non, c'est parce que j'ai foutu Hildebert qui se touche le pion. Hildebert est en train de se caresser le goumi rythmiquement. Et pour l'instant, Paris n'a rien d'autre à foutre que chercher la bataille avec René. Mais René, tu as des soucis dans la vie ? Tu veux qu'on en parle, René ? Tu veux qu'on en parle, Bob ? Ah. D'accord. Donc ça, c'est très bien. On est en train de perdre des brocolis. Comment ça, on est en train de perdre des brocolis ? On n'a pas genre 14 fermiers dans ce village ? 200 balles pour améliorer la production de brocolis ? C'est d'accord. Ouais, mais les caillasses, j'en ai besoin, là. J'ai des projets pour ces caillasses. Je peux pas te les revendre, Kevin. Je suis désolé. En temps normal, tu sais que bon... Toi et moi, bébé, quoi. Mais là, j'ai des projets. C'est parce que c'est bien choupi de faire une forge, mais il va bien falloir qu'on trouve quelqu'un pour bosser dedans. Alors, je sens que le balai cosmique va continuer. Bon, les cœurs augmentent, tout augmente, voilà. On va prendre le temps, on va temporiser, tout va bien se passer. Je préfère des gens qui travaillent dans le truc de leur vie, voilà, c'est mieux. Ils vont être dans le meilleur trip aussi, de dire qu'ils font le taf qu'ils ont envie de faire, ça va augmenter plus facilement, voilà. Je suis certain que c'est le bon choix. J'ai leur dit pour bosser l'enfant, oui. Je pense que... On va avoir des gens pour. Qu'est-ce qui se passe, Danny ?
Bah écoute, prends un Dany, ça ira mieux, quoi. Qui veut prendre un Dany? Mentorat. Ah, alors. Dany veut bosser en tant que couturier. Confirmant ainsi les doutes que sa famille avait depuis longtemps. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en recherche de... Non, tout va bien. Ça va, vous, votre couple, au fait? Ça en est où, là? Parce que, bon, je vous avais assemblé plus par défaut qu'autre chose, hein. Chance élevée de déclencher une rencontre négative. C'est-à-dire que je sais pas trop ce que ça veut dire, la couleur de leur portrait derrière, en fait. J'ai l'impression que c'est une symbolique, mais je comprends pas laquelle. Ah! On est au stock max de bois. Voilà autre chose. Très bien. Dans les bûcheronneurs, là, est-ce qu'il y en a un dont c'est pas exactement l'objectif de carrière, genre toi, qui serait plus efficace à un autre poste? C'est probablement normal comme bruit, je m'inquiéterai pas à votre place. Putain, Ivana, mais tu sers à rien, mais c'est impressionnant en fait. C'est... Mais je veux dire, c'est limite inspirant à quel point tu n'as absolument aucune utilité dans ce village. C'est quelque chose que je suis obligé de respecter. Quoi? Tant que le bâtiment est en activité, les effets impact sur les jauges de foi. Si le bâtiment n'est pas en activité, le malus de foi sera à sa valeur maximale. En même temps, vous savez, moi, quand je suis rentré dans une maison de plaisir, c'est plutôt là où j'ai trouvé la foi que je l'ai perdue. Hein, mais bon, je... Tous les villageois sont croyants. Et le trait athée, moins 1 en charisme, moins 1 en intelligence, expérience citoyenne, moins 10%. Bon bah, Yana, tu vas travailler à la maison des plaisirs pour l'instant. On va te trouver un autre poste à moyen terme, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on aurait besoin de recruter quelqu'un ou qui aurait envie de travailler à la maison des plaisirs. Ou qui aurait envie d'être forgeronne. Putain, ça coûte super cher de faire des rerolls. Pêcheur niveau 3, dont ce serait le rêve, Alistair, ça sera peut-être être quelqu'un qu'on pourrait recruter et trouver un forgeron. J'aime l'idée. Bonjour Jidin. Ah ben, ça va toujours, je suis un smiley vivant. Excellente matinée. Travailleuse du sexe ou forgeron? C'est la même chose, hein. Tu sais, je connais des gens qui travaillent dans les deux en même temps, c'est pas... Offre de troc pour du bois, tu n'aurais pas pu me faire plus plaisir. Bâtir une nouvelle maison, mais c'est vrai qu'on pourrait l'utiliser pour ça le bois, je suis con. Bonjour à Bonplex. Alors, nous sommes les filles des forges, de Pimpon. Couple. Alistair, tu vas trouver le forgeron de ta vie. Par là, je veux dire que ce sera peut-être pas la personne de ta vie, mais en tout cas, ce sera un super bon forgeron. Donc... Cette prêtresse niveau 3,5 m'inspire, hein, je tiens à te le dire. Mais... Ah bah voilà, c'est lui. C'est lui. Et en plus, vous aimez tous les deux les minous, ce qui est... Bien, on va couper le son du jeu 2 secondes. Ta mère serait-elle une mitre? Les perles comme toi sont si rares. Voilà, donc... Aime la charpente, la pêche et les exécutions publiques, n'aime pas les minous,
Effectivement, bien vu. La bombance et la guigue. Donc, aime la charpente, la pêche, les exécutions publiques, n'aime pas les minous, la bombance, la guigue. Aime la charpente, la pêche, les exécutions publiques, n'aime pas les minous, la bombance, la guigue. Ok. N'aime pas les minous. Ça, oui. C'est bon. Bien. Nous n'avons plus que à construire la forge désormais. Le plus dur est fait. Pour la forge, il nous faut quoi encore ? 35 de pierre, 400 de bois. Les 400 de bois, ça arrive. Les 35 de pierre, on y est presque aussi. Bon. On va accélérer un petit peu le temps qu'on y arrive. Ah, attendez. Celle-là est sortie d'une école, cherche un boulot. Si vous l'avez, celle-là, félicitations. Ah, ici, donc, tu vas travailler à la cabane de chasse. Ben, écoute, si c'est ton inspiration. Oui, vous n'avez pas d'emploi, mais vous en faites pas. Ça va se régler à moyen terme. Faites-moi confiance. Je suis en train de travailler sur le dossier, là. Je... 35 de caillasse, on a dit, c'est pour la forge. Si ça pouvait se bouger le fion, ce serait une excellente nouvelle. Pour un peu passionné, Grégory et Emma voudraient participer à quelque chose d'important, un événement qui montrerait sur le meilleur angle et qui mettrait en avant sa bravoure et sa valeur. Le concours du plus gros mangeur est l'occasion rêvée de se faire remarquer, enfin si on parvient à ne pas se rendre malade. Grégory a 6 de force. Bah écoute, on va ne pas participer. Renonce à participer, n'étant pas au certain de remporter, sa surprise est totale quand Grégory se place parmi les mangeurs et se défend très bien lors du concours, ce qui renforce l'amour que lui porte Emma. Et vous savez ça, les kids ? Relation premier baiser, niveau 2 sur 3 en romance. Ça, les kids, c'est vraiment une leçon de vie que j'ai envie de vous donner aujourd'hui. Et c'est une leçon de vie belle et importante. Parfois dans la vie, la meilleure solution, c'est d'abandonner comme une merde et de perdre tout espoir. Ça, c'est pour vous, les kids. Bonjour, Lenny Shadok. Putain, heureusement que je suis là pour faire un signe pour les enfants, quand même. Théodore. Le fils du forgeron est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. Ok, Théodore, tu as sur chaussure. C'est parti. On a quoi comme pognon ? On a 112. Leïla. Encore une fois, ne répondez pas, hein, parce que je vous en doutais bien que je le sais, hein, qu'il en manque un, mais vous emmerdez pas. Euh, 45 de pierre, 530 de... Ouais, en fait, notre problème, c'est la pierre à l'heure actuelle. Notre problème, c'est la pierre. Est-ce que tu serais pas doué ? Non, Alistair, tu sers à rien, toi, c'est vrai. En fait, j'avais déjà oublié. Si tu serais un excellent pêcheur. Si on avait 42 pierres. On en a beaucoup du fer à l'heure actuelle. Oui, mais on va en avoir pour plein de trucs. Donc pour l'instant, je te tranque pas. On n'aurait pas un tailleur de pierre qui se pointerait, non. Putain, on est en manque de brocolis grave. C'est quoi pour améliorer la production de brocolis 200 balles. Écoute, prends le ton fer pour l'instant parce qu'on est dans la merde. Avant que ce soit un réel problème. Donc, j'améliore la production de brocolis, ce qui nous permet de nouveau être dans le vert. Mais je le fais pas par gaieté de cœur, hein, je vous le dis clairement. Ok. J'ai dit où le forgeron ? J'ai déjà oublié où il s'est foutu. Là-haut. Je sais pas ce qu'on va te faire faire, Alistair. T'as envie de bosser dans la cabane de chasse ? La cabane de chasse, ce serait ton truc principal pour 135 de bois, ce qui serait pas dégueulasse à la limite.
Et la cabane... Alors, dans la cabane de chasse, c'était quoi? T'étais 2,5. Ouais, non, toi, ce serait la pêche, en fait, ton truc. Hein. La pêche, tu serais super, super top, mais ça commanderait 42 pierres. Et la pierre, on est dans la merde. Alors. Parce que vous, enfin oui, toi, vous deux, vous avez envie de faire des tailles de pierre, mais en fait, vous êtes super mauvais, quoi. En plus, l'ambiance est à chier. Parce que vous n'êtes pas coutus de vous entendre. Bonjour, Nini Plout. Donc là, où on trouve quelqu'un qui veut être tailleur de pierre, on est dans la merde. Et accessoirement, j'ai 8 balles, donc pour le recrutement, ça va être la merde. Alors, j'ai une question. Parmi tous les gens qui bossent ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui serait super, super à fond dans le taillage de pierre? J'arrive. Je vais trouver. Paris. Paris Latino. Bomboleoac, Bonboleochoc. Joséphine Blanche, robe rouge et noire, danse avec le reflet du miroir. Arrivée direct from Mexico, Don Diego de la Vega, sa carpe, son bandeau. Alors, du coup, elle est où la chaume d'use maintenant? Je vais la retrouver. Oui. On va trouver un taf. Il y a bien un taf où vous allez être. À Maison des Plaisirs. Écoute, si c'est déjà plus ton truc, vas-y. Hein, je... On pourrait déjà te foutre à la cabane de chasse dans un premier temps, en fait. Il faudra juste un peu de bois, mais on va en avoir pas besoin pour d'autres trucs aussi. Toi, par contre, Inanna, c'est vraiment le. C'est vraiment. Je sais littéralement pas quoi faire avec toi. Hein. Je pourrais te mettre à la ferme, mais ça demanderait beaucoup de ressources pour pas grand chose. Toi, ton heure est pas encore venue, en fait. À un moment, on va trouver à quoi tu sers. Et à ce moment-là, ce sera le plus beau jour de notre vie, en fait. Mais, croupière, cueilleuse, marchande. Non, pour l'instant, rien. Bon. Par défaut, je vous enverrai tous bien tailler de la pierre, mais je sais pas si ça va vraiment aider la situation. Il y en a un plus doué que vous tous. Vous savez quoi, vous allez, voilà, vous allez faire ça en attendant qu'on trouve un meilleur poste. Comme ça, vous servez pas à rien. Hein, vous occupez des places. C'est... Voilà. C'est... on vous fait une offre responsable d'emploi, raisonnable. Si vous voulez continuer à toucher les aides, hein, de vivre dans le village, avoir une maison, etc., vous êtes obligé d'accepter cette offre, même si c'est pas ce que vous recherchiez. Je... Comprenez bien au bout d'un moment que je voilà, j'ai bien compris que c'est. Mais Louise, il y a quelqu'un qui t'a donné le droit de mourir. Il y a eu confusion là. On vient de perdre une couturière. Oui, bon, quelqu'un est mort, tout ça, je connais, j'entends ce que vous voulez dire, j'entends votre histoire de, voilà, oh là là, c'est tragique, une personne qui nous a quittés, il y a des... Ouais, j'entends ces conneries, mais enfin, merde, quoi. Bon, Yana, j'ai l'honneur de te t'annoncer que tu vas trouver la tailleuse de pierre de ta vie. Presseuse de bras, non, croupière, non, éleveur, pas vraiment. Goûteur, non. Mineur? Mineur, c'est ce qu'on cherche ou quoi? Je suis pas sûr. Peut-être qu'on cherche mineur. Plutôt que tailleur de pierre, ça doit être ça ce qu'on cherche. C'est vrai que normalement, il y a un délai où tu décèdes en prévenant les gens correctement. Ça se fait pas, ça. Je suis désolé, ça se fait pas. C'est un truc qui s'appelle le respect, et le respect, c'est un minimum prévenir les gens avant de... Bon.
Aime les câlins, l'or et l'exécution publique. N'aime pas la bonbonce, la campagne, la mode. Aime les câlins, l'argent, les exécutions publiques. N'aime pas la bonbonce, la campagne, la mode. Câlin, argent, exécution, bonbonce, campagne, mode. Raté. C'est pas mal. Oui, ben écoutez, mariez-vous les kids. C'est, je vous cacherai pas que... voilà. C'est, que vous aimiez, que vous aimiez pas, ça me concerne pas spécialement. Ok. Du coup, Paris, tu vas te mettre là, en fait. Hein, on va faire ça. Hein. Hildebert, je sais que c'est ton objectif de vie d'être ça, mais qu'est-ce que tu peux faire en attendant qu'on te retrouve une place correcte, Hildebert ? Est-ce qu'il y a un autre boulot qui serait un peu ton kiff ? Travailler dans le nid de vermine. Alors, j'entends, mais non. Tu serais pas trop mal en bûcheron. Bûcheron, ce serait plutôt ton kiff. Eh bien, écoute, on va te faire bûcheronner déjà dans un premier temps. Oui, toi, tu veux toujours travailler la cabane de chasse ou dans un atelier de pêcheur, mais je vois pas spécialement l'intérêt de libérer une place de plus dans la cabane de chasse à l'heure actuelle. C'est quoi le prochain truc qu'on doit construire ? C'est que des trucs qui sont complètement hors de prix. Techniquement, ce serait ça pour libérer le dispensaire. Parce que libérer le dispensaire, ce serait vraiment une excellente idée. Mais je vais être franche, je sais même pas qui tu recrutes pour un chantier. Il est quelle heure, en fait ? Il est 12h13. Bon. Je pense qu'on va arrêter là pour ce matin. On va partir faire un peu de Let's Revolution avant de terminer. C'est toujours excellent, avec Dirk Legacy. Hein. C'est toujours excellentissime. C'est toujours goldé. Ça coûte combien le jeu, en fait, maintenant que les promos sont terminées et qu'on y voit un peu plus clair? Dans ça, j'irai dans les 30 balles. Vérifions. 22,99€ à ce prix-là, c'est donné, c'est ridicule. Vraiment, à ce prix-là, c'est un cadeau. Et en plus, ce sont des Français d'Ishtar Games qui font le jeu. Et il y a des gens de la Maison du Bonheur qui sont dans Ishtar Games, apparemment. Donc, on les embrasse. Toujours excellent, en tout cas. Et hop! Au revoir, YouTube. Bisous.